Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 91e épisode de Vintage Story en coop. Et aujourd'hui, on essaye de trouver du bismuth. Allez, en route. Mais j'essaye de rêver, de temps en temps, ça fait du bien. Qui est-ce qui est là? Ah, c'est toi, Exka. Il y a des biquettes dans ton coin, à la rue. Ouais, j'en ai entendu une. Sur ma droite, j'en ai entendu une. Moi, je rentre à la maison parce que je grelotte. 3h du mat. Ouais. À moins 15. Bon, pas vrai. Ouais, ça pèle un peu. Longtemps. Ah bah tiens, un petit morceau de quartz. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Faudra que je fasse un point sur ce... On le fait où du coup? On le fait plutôt côté désert là-bas. Ah, ouais, c'est là où on a énormément de minerais. Alors pour info, l'arbre à cam, je l'ai déjà fait. Ah, comment on le fait pousser? Ça c'était malin. Est-ce que c'est de la cam à sucre? Lol, j'ai déjà le châssis du broyeur avec les deux têtes de pilon et l'arbre à cam. Ça, j'ai fait. D'accord. Tu l'as fait dans notre partie ici? Oui. Ouais, d'accord. J'ai prévu déjà des embrayages, j'ai un rotor d'éolienne. Je vais manquer de graisse et de résine en fait. C'est surtout de la graisse et de la résine qu'il va me falloir. Tu nous rejoignes avec tout ça? Beaucoup. Oui, ça, c'est un détail ça. Beaucoup de lin. Énormément de lin. Ouais, parce que les voiles. Tête de pilon. Il me reste que deux résines et. On n'a pas de tête de pilon. On n'a pas fait encore? Ah bah non, c'est. Non, pas encore. On fera le bronze. Les plaques sont faites. Ouais. D'ailleurs, il y a une recette. La plaque. La plaque est faite. Il y a une recette qu'il faut que je vérifie, moi. Puissance mécanique. Ah, moi je commence à avoir froid aussi. La tête de marteau à bascule. J'ai lu qu'on pouvait le faire en le forgeant aussi avec deux lingots au lieu de couler 300 unités dans le moule. Mais je suis sceptique. Un moule de quoi? Le moule de pour faire la tête de marteau à bascule. Ah, donc il y a un moule? Tu es fausse. Forge. J'ai plus froid dedans que dehors. C'est bien commandé alors. Avec tout le cuir qu'on a aussi, on peut se faire de l'équipement peut-être. Ouais. Genre on peut se faire des sacs à dos. Au nord. Ouais, ça faut des sacs à dos. En cuir. Ouais, faudrait aller au nord pour faire ça, parce que là au sud on a rien du tout. Oui, mais moi je suis au nord, si tu vois ce que je veux dire. Yep. Oh, belle rue. T'es tout couvert, tout blanc. Oui, comment est-ce que je fais t'as un feu? T'as l'air malin. Il est où le bois? Chauffage. Attends, j'en ai sur moi, je m'en occupe. Quoi ça? Est-ce que je suis tout blanc aussi? Tiens, si tu veux l'allumer. C'est fait. Je me réchauffe. Yep, bah ça chauffe la pièce en fait. Tu es tout blanc aussi. Eh ben, on a l'air malin. Ouais. Ah, 35 degrés de température corporelle, c'est mieux. Il faudrait faire un sas avec des portes en plus. Comme ça, il n'y aurait pas de perdition d'air chaud. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de l'air chaud dans la pièce. C'est le fait qu'il y a un feu qui dit que tu te réchauffes. Ah bah bien le quartz, 38 plus 10, ça c'est bien. Ben voilà. Par contre j'ai plus de pioche en bronze, je suis content. En faire une. Bah, j'avais fait un moule il me semble. Ouais. Et d'ailleurs, si tu lances du coup le fonte de bronze, prévois deux lingots et une pioche. Yep, bah écoute, du coup faire ça. On fait mis ça là-haut. On fait pas le marteau pilon en même temps tant qu'on y est. Ah, j'avais oublié qu'il y avait plein de quartz à l'étage. Il faut quoi pour le marteau pilon? Attends. Il me faut soit deux lingots de bronze en plus, soit 300 unités. Donc l'équivalent de 3 lingots. C'est ce que je suis en train d'essayer de voir parce que j'ai un doute sur ce sujet. Ça dit que tu peux forger, soi-disant. En fait, je crois que tu avais déjà
fait du quartz la dernière fois. Oui, 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 c'est pour ça que je te disais que je t'en avais fait, c'est bizarre. Il y en a. Je l'avais pas trouvé. je suis désolé. Sable. C'est le marteau à bascule en bronze éteint que t'appelles le marteau pilon. Marteau à bascule. Oui. Sab, fais gaffe au bois qui est au-dessus, ça risquerait peut-être de prendre feu. Qui demande une tête de marteau à bascule en bronze éteint. Ça permet de faire des plaques. Il n'y a pas de bois dessus, là. Hein ? Bah, juste à côté. Est-ce que tu crois que ça va pas prendre feu, ça ? C'est ce que je regarde. D'accord. Je fais des tests. L'avantage du marteau à bascule, c'est que tu peux faire des plaques très rapidement et sans te casser le bol. Et oui, comme de la plaque, on va en bouffer. On va en bouffer. On va en oui, faire. Mais on n'est pas obligé de le faire maintenant. C'est comme tu veux. Parce que. Dans alors, tous les juste, cas. Qu'on se mette d'accord combien de bronze je fais. Pas aux toilettes. Au moins de quoi faire trois. au moins de quoi faire trois lingots, mais je suis en train de regarder s'il veut qu'on fasse son truc, combien il en faudrait. Mais de toute façon, on a de quoi. On a que deux moules à lingots là où on est. Ouais, il y en a que deux. J'ai le moule de pioche. Oui, mais on a besoin de lingots a priori, donc fais. Ok. Bon. Quand tu vas commencer à faire de la forge avec les lingots, il faudra que tu me dises si tu as la possibilité de créer cette tête de marteau pilon en faisant ouais, de la forge. Ouais, je vais regarder ça. Ouais. Juste parce que je peux pas le savoir, ça, on peut pas le faire avec du cuivre normal. Et tu trouves pas forcément les infos. J'ai trouvé des infos sur le wiki. Si tu trouves. Où il parle. Où il parle. C'est pas détaillé. Hein, soi-disant qu'avec deux lingots, tu peux faire la tête de marteau de pilon. Mais qu'avec le moule, il t'en faut l'équivalent de trois lingots. Donc c'est pour ça que ça m'intrigue. Si en forgeant, on peut faire. J'aurais pas assez de charbon là. Donc je vais devoir attendre 18 heures. Le détail très. Le détail très important, Elru, c'est quand tu fais des plaques, tu bousilles ton marteau très vite. Le marteau pilon est inusable. C'est ça qui est très intéressant, au final. Attends, je trouve pas la tête de marteau pilon en forgeage. Je trouve la tête de pilon. Alors, est-ce que c'est tu, ça tu fais quoi C'est une tête de pilon. Puissance mécanique... Transmission, c'est le marteau à bascule en bronze éteint dont tu parles. Marteau à bascule, voilà. Une tête de marteau à bascule en bronze éteint. C'est voilà. Tête de marteau à bascule. Alors, tête. C'est ça. De marteau, marteau, marteau. Tête de marteau tout court. Je vois pas de tête de marteau à bascule dans la liste des objets forgeage du wiki. Alors, peut-être que sur la version anglaise, on l'aurait. Où est-ce que j'avais trouvé ça, moi ? Où il me disait qu'il y avait deux recettes. C'est ça qui m'intriguait le plus, d'ailleurs. Marteau à bascule. Allez, Marcel. Là, ça me dit marteau à bascule. Les matériaux nécessaires pour la tête métallique de l'outil. Fonderie, 300 unités en alliage de bronze. Ou forgeage. Deux lingots en alliage de bronze ou fer, enfin bref. C'est pour ça que ça m'intrigue. Faut regarder avec le bronze au moment de forger, parce qu'effectivement, ils sont faut pas sur le wiki. C'est pour ça que je disais à XK de regarder quand il va faire un coup de forge, s'il a la possibilité de faire la tête en bronze éteint. Après, c'est pareil, quand je regarde, quand tu es dans le wiki in-game, quand tu es sur la tête de marteau à bascule, j'ai ingrédients pour machin, et il y a marqué créé par moulage du métal, et il y a une ligne aussi forgeage. Donc, réellement, je préfère qu'on crame deux lingots plutôt que 300 unités. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, et puis surtout, j'ai pas vu comment faire le moule. Le moule, tu le fais en argile. Non, mais peut-être que. C'est peut-être pas en argile, il faut faire moule en acier. Non, mais non. Le moule, j'en ai même déjà fait un, mais ça sert à rien si on peut le faire en forgeant. J'en ai un là que notre cher Sabdam l'a déplacé, je sais pas où il l'a mis. Il était là, mais il l'a enlevé. Il était là, il est là. J'ai récupéré deux morceaux de lin. Il y avait un moule là. Ah tiens.
Excuse-moi. Rends la moula. Mais il peut pas se ranger là-dedans, le moule, là? Ou ça? Non, c'est pas le même genre de moule, tu peux pas le mettre là-dedans. D'accord. Je vais le foutre dans le bazar. Là. J'ai trouvé 3 morceaux de lin et un livre à la rue, si tu veux nous raconter une histoire ce soir. Ah bah cool. 4 morceaux de lin, ça c'est bien. C'est rentable. Hein. Le saut du coup, t'es content d'avoir trouvé ton moule? Combien il te manque de lin, Nico? Pas Nico, Greg. Oui. T'as une sacrée armure, toi, en fait. Mais c'est combien? Comment ça? Ah ouais. Attends. T'as le sac à dos en cuir Oui, je vais faire... t'en as pas de sac à dos en cuir? Ah bah non. Je vais t'en faire, mais... Je pense que c'est plus rentable de transporter du cuir plutôt que des sacs à dos. Donc j'ai laissé le livre dans la cuisine, à la rue. Comment on fait le sac à dos? Tu pourras le lire en faisant ta soupe. Sac à dos. J'ai paumé les sacs à dos. Oh putain. Non mais je vois t'as le casque, j'ai eu tes... Oui bah je me suis équipé. Il faut bien. Tu t'es équipé? Ah bah oui, tu t'es bien équipé. T'as eu raison. Pendant que nous on était partis dans le sud, lui il s'est équipé. Oh je l'ai fait il y a pas longtemps. Hein. Il est où, Mister Sab? Mais toi t'as déjà une armure en cuir. Il te manque le casque peut-être? Ouais, bah je vais te faire un casque. J'ai le manteau. Moi j'ai juste un pantalon en peau brute, hein, c'est tout. Et Sky est comme pantalon. Moi, je crois. Oui, mais je pense qu'on va faire des sacs à dos en premier. Les sacs à dos, ça permettra d'acheter quelque chose ou pas? J'ai le manteau en peau brute. Manteau et pantalon en peau brute. Ah oui, super. Pareil. Tout ce que j'ai. Que Sab. Pas trop. Sab, il est censé servir de tank et DPS. C'est normal qu'on l'équipe. Oui, mais il est censé ramener de la peau et pour le moment, il ramène pas de peau. Oui, bah y en a plus. Hein. Moi, j'ai tout bouffé la peau. Bien ce que j'arrive pas à choper mon sac. Si tu as des affaires dans les emplacements qui correspondent au sac, c'est mort. Tu pourras pas. Faut que tu vides en gros tes poches avant. Tu vides les emplacements qui correspondent. Non, mais c'est ce que je voulais faire, mais mon sac à dos il s'est barré et j'arrive pas à le récupérer. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave. Ah oui, mais t'avais des affaires dedans. Mais oui, je voulais récupérer ce qu'il y avait dedans. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Comment il nous a fait ça? S'il y a des trucs dedans. C'est bon, j'ai. Eh oui, voilà pourquoi. Je voulais récupérer parce que j'ai... Mince, ça c'est le mien, ça. Attends. Tac. Oui, il faut vider d'abord. Oui, je voulais vider, mais... Voilà. Oh là, attends, ça c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Je suis dans une forêt, j'aime pas trop beaucoup ça. Pourquoi tu dis que c'est pas pour toi? Ah si, c'est pour moi. Mais bien sûr, il y en a 4. Ah, d'accord, merci. Oui, faut que tu remplaces les 4. Ah. Bon, par contre, t'es gentil, mais tu gardes tes merdes. Attends, je vais aller dans un coffre parce que sinon c'est bien. Dis-moi, la terre, tu peux déjà commencer par la mettre dans la caisse qui est ici. Ça évitera d'en foutre partout. Oui, parce que je m'en sers quand je suis en déplacement, en fait. Oui, bah, sers-toi dans le coffre et dans les caisses, ça évitera les conneries. Et tes sacs en lin, parce que ça, c'est vrai que c'est ce qui est très moche, et tu peux même pas les recycler pour récupérer le lin, tu les fous dans le coffre de la chambre, s'il te plaît. Pantelan dite 2,26 pour 1000, sphalérite 0,71 pour 1000, magnétite 0,61 pour 1000, et minuscule d'hématite. Moi, les sacs en lin, je suis preneur. Hein. J'ai encore deux paniers et que deux sacs. Oh, pantelan dite. Alors... Ouais, pareil, j'ai deux paniers et deux sacs. Hein. Mais attendez, une seconde. Dite. C'est quoi la pantelan dite, XK? Je ne sais pas. Alors, pantelan dite. E-N-T-L-A-N-D-I-T-E. 32. Pantelandite. 32. C'est pour le nickel. Effectivement. En gros, j'ai largement assez de quoi vous faire tous vos sacs. Ah, Nico aussi, il en veut. Il me faut un demi-stack. Ouais, mais, oui, j'ai vu. Ouais, mais pas en lin. Hein. Tu gardes le lin pour le moulin. Cuir. Ah oui, d'accord, ok, parfait. Il me faut un demi-stack de cuir pour pouvoir vous faire 4 sacs. Donc c'est bon, on en a plus de 2 stacks. Ah. Et encore, j'en ai même qui sont encore en train de tourner. Là.
Les sacs qui tournent. Enfin non, du c'est cuir. Pas les serviettes qu'on fait tourner normalement. Oh, ça peut être aussi ça. Je peux faire tourner les assiettes aussi, mais faut pas les faire mais tourner. Mais bon, j'ai quasiment bouffé tout le cuir, hein. Toutes les peaux et compagnie, donc ça me donne au boulot. Oh purée. Ça me donne du charbon, je fume plus. Alors le problème, c'est qu'il va me falloir de la résine. Ça, par contre, ça va être un gros pépin. Ainsi que la graisse, mais si Sab nous fait du cuir, il nous fera sûrement de la graisse en même temps. Ton charbon, il fume plus, c'était à 18h qu'on l'avait mis. Hein. C'est... Il est 13h. Bah ouais, ça me semble bizarre. Tu as pas touché, Nico, hein, par hasard, là, à la fuite. Torche là-bas. Il y a une fuite. Il a fumé ce matin, il fumait encore. Sab, dans un des sacs, il n'y avait pas des outils dedans ? Non, nickel, Nico. Ah, j'entends plus rien, moi. Je vais attendre 18h, pour être sûr. Hein ? T'avais pas des outils dans un des sacs ? Je n'entends plus rien. Ah, ça c'est moche. T'entends, Sab, dame. C'est l'âge. On met au secours. C'est l'âge. Ça, c'était de la bismutine. Ultra élevé par là-bas. Côté du quartz. Ça, c'est pour faire le bronze bismuth. Ouais, c'est bien ça. Ça, je le retiens. Facile à retenir. Et il n'y avait pas besoin d'un truc spécifique pour le creuser le bronze. Pas que je sache. Pour faire le bismuth. De mémoire, non. Et pas besoin d'un broyeur pour le bismuth. Je crois pas, normalement non. Pour le bronze bismuth ? Non. Pour le bismuth, lui-même, pour le minerai, si tu veux, pour le. Contrairement à l'étain, là, la cassiérite qu'il faut casser. Non, je crois que c'est que pour le fer hein, que tu as besoin du broyeur. Ah non, on en a besoin pour la cassiérite, là. C'est pour ça qu'on veut faire un broyeur. Ah bon ? Oui. Cassiérite. Cassiérite concassée. Bon. Tu veux faire quoi avec la cassérite Pourquoi tu veux la broyer? C'est pour faire de. C'est l'étain. C'est le minerai qui contient l'étain. Tu le broies pour obtenir l'étain. Oui, mais t'as pas besoin de broyeur pour pouvoir le voir. Ce qu'on cherche à faire là, c'est le broyeur. Cassiérite concassée, peut-être utilisé comme mordant pour la fabrication de teinture. Alors, c'est pas la cassiérite, c'est l'autre. C'est pas la cassérite c'est l'étain, tout simplement. Mais tu voulais un broyeur pour. Et je te jure, c'est la cassérite que tu peux pas broyer. Non, c'est pas ça. La cassitérite. La cassitérite, pardon. Oui, cassitérite. Cassitérite. Non, c'est pas cassitérite alors. Non, parce que ça sert à faire l'étain. Non, pareil, ça c'est direct, la castérite. C'était quoi ? Ce que j'avais chopé, que c'est, vous avez dit non, c'est peut pas. Le plomb, non. Le zinc. Ah si, castérite morceau riche nécessite un broyeur de niveau 1. Ah oui, mais ça dépend ce que tu chopes. Quand c'est de la pépite, non, mais quand c'est des gros morceaux, oui. Morceaux pauvres et morceaux riches, si. C'est... Ok, donc c'est pas comme pour le cuivre que tu peux taper direct au marteau. Quoi. C'est ça qu'on a besoin d'un broyeur. C'est pour ça qu'on veut faire un broyeur depuis. Ça va, on perd pas le nord alors. Bah, si vous le perdez, il y a que moi qui l'ai gardé. J'entre. Au nord. Bah, je vais m'occuper un petit peu de ma maison parce que Nico il prend de l'avance là. Il aura la plus belle maison de tout le monde. La mienne, elle est dégueulasse, il y a des toiles d'araignée à l'entrée. T'as pas fait le ménage, c'est pour ça ? Non, c'est Elru qui me les a refilées. Ces vieilles toiles. C'était joli. C'était joli. Ce fut du... Là, il dit pauvre de pente lente. Si, alors que là. Ah oui. C'était bismutine qui était ultra élevé. Nico, t'inquiète. T'as bien raison. S'il y a du danger, tu cries. Hein. Je suis dans le coin. Et je te laisse comme ça. Ah là là.
ce qu'il m'a dit. Ah non, il a dit qu'il a rien trouvé ici. Je trouve quel est le rayon de la zone. Le temps qu'il fasse tab alt et qu'il tape le texte, il sera déjà mort. Alors. Aucun filon à proximité. Aucun filon à proximité. C'est fou ça. Mais c'est dans les 6 blocs, c'est ça. Greg. Voilà. On t'entend, sale dame. C'est Greg, oui, c'est Greg qui doit plus être dans le coin. Greg, le petit Greg. J'ai cru entendre dire, madame dire qu'elle allait se coucher, donc c'est peut-être lié à ça. Ah, d'accord. Mais parce que j'ai eu un problème de son, moi, à un moment donné. Quartz, non, non, énorme ce n'est quantité. Pas un problème de son. C'est un problème d'oreille. Mais on n'a pas de son, de toute façon, on a un peu de lin. On en voudrait plus, mais on n'a pas de son. Bah, qui c'est qui me canarde au secours? Ah, Nico, planque-toi. Quartz, très grande quantité. Ça va, il n'y en a qu'un seul, Nico, mais à mon avis, il y en a d'autres dans le coin. Comme on est activité en fissure temporelle moyenne. C'est là-bas. Ah bah c'est Nico. Juste à côté d'une faille, Nico, reste pas là. Ça va pas, non? Petite quantité. Bon, Nico, tu as du son au moins, Nico? Quelle est la taille des zones dans lesquelles ils nous donnent les infos? C'est 6 blocs, hein, quand tu le fais en mode proximité. Justement, quand tu fais en mode pas proximité, ça te donne sur combien de blocs? Bah c'est le chunk. C'est pas par rapport à là où t'es, mais c'est chunk où tu es. Comment tu peux savoir si t'es toujours dans le même chunk? Si t'actives en haut à droite sur ta carte, il te met pas ce que t'as trouvé déjà? Je vois l'endroit où j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, mais il me dit pas quel est le chunk. Je vois juste le point de là où je l'ai trouvé. Ah merde. Ah ok. Putain, Nico, il se fait des briques en terre claire. Sympa la maison. Il y a un rôdeur juste à côté de la maison, Nico. Reste où t'es. Comme ça, tu l'attires et moi, je vais aller chercher du charbon. J'ai cru voir Sabdam qui faisait le con devant moi. Là. On m'a parlé ou quoi? Oh, yep. J'étais en train de parler. Me poser une question. Ah bon? C'était quoi? Pourquoi tu es en bas pour nous? Parce que avec tu as la cheminée. Reste tout est Nico, ne sors pas. Il y en a autant. Il y a un rôdeur devant la porte, Nico. C'est point fort. Hein. Pourquoi il y en a trois? Ça servit. Parce que ça servira. Non, il y en a quatre. Quatre. Merde, il m'a vu. Ça servira. Ça sert une seule fois un bas fourneau. Ah non, c'est bon, il s'est loin. Ah d'accord. C'est vrai, j'avais pas compris la question. C'est vrai que tu le places, tu fais fondre ce que t'as à fondre dedans, et après, pour récupérer, t'es obligé de le casser. D'accord. Ou tu vas le délire. Ok, j'ai compris. Désolé, j'avais pas compris la question. Je suis un peu à la masse. J'ai cru que c'était... Ok. On est bon, Nico. On est safe. C'est normal. Pourquoi j'ai de l'argile, là? Du coup, il faut qu'on ramène du matos dans le sud pour prévoir la suite, quoi. Mais idéalement, des moulins. Eh oui. Donc, Je me barre. Ah oui, mais c'est peut-être pas l'heure. C'est pas l'heure. J'ai de l'herbe sèche. Ouais, j'ai de l'herbe sèche. Tiens. Ok.
Qu'est-ce que ça. Je... Ça râle autour de moi, je me barre en courant. Il y a du, il y a de la chaume aussi, si tu veux, ça, ça brûle, mais je crois que tu peux pas t'en servir comme de l'herbe sèche. 24. Ah ouais, mais en gros, j'ai deux jarres en espace de stockage. En plein hiver, alors qu'il y a plus de, alors qu'il y a plus d'herbe. Vous avez pas de place pour stocker sur place là-bas en plus. Vous avez pas de stockage, pas assez. Pas beaucoup, mais on peut en faire. Hein. On a de quoi faire des. On a ce qu'il faut s'il faut faire du stockage. Je suis en train de réfléchir par rapport à ce que j'ai à ramener. Quoi. On a des planches, des scies. Je pourrais faire des clous en plus. Je pourrais toujours ramener genre deux jarres, par exemple. Mais bon. Non, il faudrait qu'on en fasse. Ouais, on a plein d'argile, il faudrait qu'on en fasse à la limite des jarres. T'inquiète. Non, les coffres. Les coffres, c'est mieux. Faut faire des coffres. Oui, ben voilà. T'inquiète pas, on peut en faire. Si on fait un gros coffre, c'est bon. Un gros coffre, on est bien. On a deux gros coffres en bas, tu sais. Déjà. Oui, vu ce que je dois ramener, deux gros coffres, je t'en bouffe un, hein, moi tout seul. Oui, non mais on peut refaire hein, des gros coffres, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il faut au fait pour faire cette merde? Oh, les coffres. Ah, il faut les clous. C'est pas les bandes surtout? Ouais, c'est ensemble, hein, c'est clous et bandes. Non, on a deux coffres, Nico. Il y en a un au rez-de-chaussée et un à l'étage. T'as déjà vu l'étage, Nico, ici ou pas? Oui, il l'a déjà vu, mais il a oublié qu'il y a le coffre. On fait dodo ou quoi? Genre, j'ai commencé une fonte. Ah, d'accord. Réfléchis. Pour info, t'avais des pioches en bronze noir hein, à la maison ici. Oui, mais genre, il y en avait pas beaucoup du bronze noir. Non, mais j'ai deux pioches en bronze noir, là. Deux en bronze noir? Les deux pioches que cette dame avait bousillées en faisant de la terre. Enfin, de la pierre, peut-être. Non, alors déjà, j'en avais qu'une en bronze noir. Tu vas expliquer. Hein? On va s'expliquer. Là, hein? Dans tous les cas, elles sont toutes les deux midlife. Premièrement, elle est bien, cette pioche. Elle était efficace. Ah oui, tu m'étonnes. On va dire que le bronze noir, il vaut mieux utiliser du cuivre quand même pour faire de la pierre. Hein. Oui, oui, complètement. Non. Pour info, j'ai fait plein de boucliers, comme ça, si on a envie de bousiller du mob, on peut se le permettre avec des boucliers. Mais j'ai trouvé une grotte où je me demande s'il n'y a pas le bismuth, justement. J'ai fait assez de boucliers pour tout le monde. Donc... J'ai un bas fourneau avec du verre dedans. Alors, je me souviens plus. Alors, non seulement tu trouves qu'il restait plein de quartz que je t'avais ramené, mais en plus, t'avais déjà fait tout le verre dont t'avais besoin et tu m'as demandé de refaire du quartz. Non, mais j'en ai que 12 dedans. C'est pas grand-chose. Voilà, Sab, t'as pris la seule chose que t'as le droit de prendre en rond. J'en ferai plus. T'as le droit de me taper avec ta hache. C'est une pioche de prospection. Aïe, aïe. Là, j'avais pas d'armes comme ça tombe bien. Mais c'est je te ferai remarquer. Ça m'a fait mal. Ça fait mal. J'ai toujours fait un caillou. Je te ferai remarquer que je l'avais fait pour toi, celle-ci. Hein. Ça fait un moment que c'est sur le placard. Hein. Non, mais je n'osais pas la prendre. Mais elle a été faite pour toi, celle-ci. Alors moi, je vais faire en cuir. Petite escale technique et je reviens tout de suite. Je suis au lit si jamais vous voulez vous coucher. Voilà. À ça tout marche. Vite. Moi, je termine une fonte. Bon, bah, je vais au lit. Et puis, on ira peut-être après. Donc, là, je suis au milieu de ma fonte, hein, messieurs. Nous, avec Sab, après la nuit, on fera un voyage. Mais attends, charge, là. Alors, dis-moi ce que je dois prendre. Est-ce que je prends les boucliers pour eux? Viens, oui, si tu veux. Prends, enfin, il y en a un, il est à moi, donc je vais le prendre. Voilà. Au pire, si tu veux. Pourquoi j'arrive pas à le prendre? C'est mal fait, ça. Rien dans tes mains. Ah ouais, c'est la partie de la merde. Non, mais ça y est, j'allais prendre, mais... Oui, mais je les ai pris, je te les ai jetés. Comme ça, on gagne du temps. Non, mais j'allais prendre, j'avais prêt. Ok. Tiens, ça. Les deux pioches. Il te reste quoi en place? Hein? Comment? Qu'est-ce qui te reste en place? 1, 2, 3. Mais je peux déposer des lits en foin. Bah oui, pose les lits en foin. On s'en tape des lits en foin. Non, mais c'était pour je sais plus où on les avait récupérés. Oui, bah pause. On s'en fiche. Ouais, on s'en fiche, oui, tout à fait.
Hop, bouge pas. Je t'envoie les deux stacks de cuir. Faudra que tu me les rendes quand on sera sur place. Je leur ferai des beaux petits sacs. Il te reste du coup... quoi ? Il me reste trois. Trois places. Alors viens en haut. Viens en haut. Tuc. T'es où ? Ouais. Hop, tiens. À ne pas perdre, hein. Parce que, comment te dire que c'est bien assez chiant à faire tout ça. T'es plein ? Il me reste une main. Il te reste une main, ouais, c'est ça. Ouais. Bernard, ouais. Hop. Voilà. Je prends tout ça. Bon, je prends mon arme, mais je sais pas comment on fait pour parer. En fait, il faut que tu aies le bouclier dans la main gauche. Oui, c'est ce que j'ai là. Yeah. Voilà, et ça se fait tout seul en gros. Ça... Ah, quoique. Il faut pas se mettre à croupi. Je sais plus. Ah, et ça accroupit. Hein. Ça accroupit, affirmatif, merci. Ah oui. Si vous voulez dormir, Nico et Greg, ouais. Nico et Elru sont déjà couchés. Moi, je peux me coucher aussi. D'accord. Bon, on va se coucher. Moi, je suis plein. C'est bon. Je suis en train de prendre tout ce que j'ai sous la main. Ça, j'ai pas besoin de le prendre. Ça non plus, je crois. J'avais pas besoin de plaque de cuivre, hein, de mémoire. Ah si, je vais prendre les outils. Non, pas celui-là. Et au pire, je compléterai mon bordel. Ouais, je compléterai en ramenant de la bouffe, par exemple. Non ? Yep. Maintenant, ouais, maintenant, faut que je mange. La bouffe, c'est bon. Faut que je regarde. Faut que je regarde ce qu'il y a d'autre à embarquer. Bonjour. Cette dame, tu ronfles. Non, c'était moi. Vous avez pas froid, ça va ? 37,8, ça va. Alors, qu'est-ce que... Faudrait qu'on ramène quoi d'autre ? Alors, à manger. Ouais. Il y a toujours la queue. Hein. La torche. Je vais ramener une meule. Non, ça va, il fait déjà assez froid comme ça. Hein. Lol. Parce que, comme ça, je pourrais raccorder... Il est fou. Je pourrais raccorder la meule au moulin. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Surtout, Elru ne sort pas. Il y a du monde, oui. T'as 5 têtes de bestioles, là, à travers la porte. Et nous, je crois qu'il n'y a pas un chat. Quel enfer. Bon, ils vont bien tous se barrer. On est en activité moyenne aussi. Moi, je suis paré, Greg, à partir. Bah, tu pars devant, j'arrive. Les lingots sont froids. Aïe. Est-ce que je ramène... J'ai des caisses. Est-ce que j'ai des caisses ? Je ramène des caisses ou pas ? Allez, je ramène des caisses. Ça peut servir. L'argile, non, c'est pas la peine. Du coup, t'as remonté tout le quartz ici, Ouais, c'est tombé. Ouais, je l'ai centralisé. Qu'est-ce que... Alors, une pioche en bronze éteint pour Monsieur Elru. Une. Oui, on va je suis là. Je la mets en bas. Oh, j'ai eu peur, c'est un lapin. Sap qui a peur d'un lapin. Non, mais c'est sorti d'un buisson, je savais pas ce que c'était. Je vais faire des dalles de verre pour qu'on fasse les... Ah merde, comment on fait ? C'est pas classique. Ah, c'est classique. Ouais, donc ça va encore. Ça rôde, ouais. Ça rôde toujours, ouais. Ça rôde un peu trop à mon goût. Je voulais faire la déco avec les... Je voulais faire la baie vitrée avec vue sur le lac, mais avec tous les rôdeurs, là, ça va pas le faire. Il devrait pas se barrer à cette heure-ci. Qu'est-ce que je peux... Et il fallait donc des lingots de quoi ? De cuivre ? Pas particulièrement. Non, puisqu'il a déjà tout fait, les... Ok.
les composants. J'ai déjà fait pas mal de choses. Il y a juste besoin avec les deux bronzes éteints là. Ouais, les deux bronzes éteints, il faut faire le la tête de pilon de. Les deux têtes. Les deux têtes. Oui, mais comment ça s'appelle déjà? Tête de pilon en bronze éteint, et il faut que tu regardes au passage s'il n'y a pas là également la tête de marteau pilon. Ah oui, oui voilà. Ok. Marteau bascule. Attends. Marteau bascule. Donc je fais la tête de pilon. Tu cherches d'abord la tête de marteau à bascule. Tu dois faire la tête de pilon, mais tu regardes s'il existe la tête de marteau à bascule et combien ça demande de lingots. Ok. Voilà, déjà. Normalement deux. Ouf, lâche-moi l'ours. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, un ours. J'arrive. Je suis au. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.